Sur les 221 installateurs d'antennes paraboliques des 12 départements du Congo, seuls 90 ont pu valider avec succès la formation de 3 jours organisée par la société de télédistribution Canal+. Cette formation, initiée par série en 2017 et 2018 pour renforcer les capacités, a pour objectif d'éviter de perpétuer les aléas rencontrés par les clients une fois abonnés à la société. C'est pour célébrer le mérite de ces installateurs issus de la maison Canal+, et ceux venus d'ailleurs, précisément des partenaires privés, que des certificats ont été octroyés à ces apprenants. Nous avons été formés sur les règles de gestion, les équipements, les concepts théoriques et réception TV par satellite, la relation client et le troubleshooting qui est le module tant redouté par les installateurs. Et qui confère à ceux parmi nous qui valident le CIS et relative le statut très convoité de technicien agréé Gold. À cette cérémonie, quelques conseils ont été prodigués à l'endroit des heureux récipiendaires pour répondre aux attentes de tous. Vous représentez l'honnêteté de notre boîte, d'où vous devez être impliqué dans ce que vous allez dire au téléphone. Les réponses déplacées n'auront pas sa place. Si vous étiez 200 au départ et qu'aujourd'hui vous n'êtes que 89, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans les critères de sélection. Sachez-le qu'on compte beaucoup sur vous et que vous devez prouver à la direction de Canal+ Congo qu'ils ne se sont pas trompés en vous faisant confiance. Après Canal pour tous, où les abonnés étaient quelque peu abandonnés à eux-mêmes, Service Plus est ce nouveau système qui amène la technique vers le client, a affirmé Benjamin Bell, le DG de Canal+ au Congo.